Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est notre 100e vidéo sur la chaîne, donc super, on est très contents. Voilà, donc 100 vidéos qu'on a fait depuis, on va dire, début mars où on a vraiment activé notre chaîne YouTube, d'ailleurs à une période où il n'y avait plus de programme de parrainage, donc de temps en temps quand je lis que je fais ça que pour les parrainages, ça me fait rigoler. Voilà, donc 100 vidéos, c'est cool, merci à tous pour votre soutien, tous les mots d'encouragement que je lis en commentaire, c'est super sympa. Et puis surtout n'hésitez pas, hein, dans la barre de description il y a aussi mon adresse mail, donc si vous avez besoin de quelque chose, de poser des questions, les mails, les commentaires, et puis surtout si ça vous plaît, abonnez-vous, cliquez bien sur la petite clochette pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis aussi, mettez un petit pouce bleu, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui je fais une vidéo concernant une des nouvelles fonctionnalités qui a été ajoutée avec la dernière mise à jour de la voiture, à savoir le profil de réglage des sièges, des rétroviseurs, etc. qui est lié maintenant en fait à la clé qu'on utilise pour entrer dans le véhicule. Donc normalement, plus besoin d'ajuster si vous n'étiez pas la dernière personne à avoir conduit la voiture. Le fait d'arriver avec votre téléphone ou avec votre clé, la voiture va reconnaître que c'est vous et ajuster le bon profil pour tous vos réglages, donc rétroviseur, volant et siège conducteur. Alors c'est parti, à tout de suite en images. Donc nous voici devant la Tesla avec la petite carte pour l'ouvrir ou la fermer. Donc là je la fermais, c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc on la pose sur le montant. Là je vais la rouvrir uniquement en manipulant la poignée parce que j'ai mon téléphone dans la main et il est relié à ma clé. Donc voilà la clé, donc c'est ce qu'on vous donne, il n'y a pas vraiment de clé, ce ne sont que des cartes. Et il y a un petit schéma derrière pour expliquer comment ouvrir et fermer la voiture si vous voulez utiliser la carte. Donc c'est pratique hein, si vous n'avez plus de batterie dans votre téléphone par exemple. Et puis il faut la poser là quand on veut conduire, c'est nécessaire, hein, il ne faut pas juste l'avoir dans son sac, il faut vraiment la poser sur la console centrale. Voilà. Ensuite, donc la nouveauté, je vais vous montrer un peu dans les contrôles rapides au niveau de l'écran. Il y a toujours donc ce qui est réglage de rétroviseur. Donc ça se fait avec les petites molettes du volant multifonction qui donc quand on est dans ce menu servent à régler les rétroviseurs extérieurs. Donc on peut choisir gauche-droite évidemment et on a juste à utiliser la petite molette pour pouvoir les ajuster comme on veut. Et idem, on peut aussi ajuster le volant, donc la molette de gauche ce coup-ci utilise, vous voyez, ça bouge un petit peu. Vous pouvez donc rentrer, sortir le volant et puis le régler en hauteur. Ensuite, vous voyez, là on est en mode accès facile, mais on n'a plus qu'à cliquer sur enregistrer si on veut enregistrer les modifications, parce qu'on peut paramétrer un mode accès facile pour pouvoir sortir et entrer plus facilement dans la voiture. Donc là je suis sur mon profil, Nicolas, j'ai modifié un peu l'écran ou le volant. Dès qu'en fait on fait une modification, que ce soit le volant, les rétroviseurs ou le siège, la voiture propose voilà, d'enregistrer. Donc je viens de cliquer sur sauvegarder pour enregistrer ce nouvel ajustement à mon profil. Au niveau des sièges, je vous montre rapidement, hein, c'est classique, hein, vous allez me dire oh là là. Mais voilà, des petits boutons pour régler l'assise, le dossier qu'on peut relever, baisser, et puis aussi le réglage des lombaires. Je le montre même si ça paraît évident, parce que c'est vrai que nous on avait testé le Model S à l'époque, il n'y avait pas de Model 3 en France encore, et sur la Model S on pouvait régler la hauteur des appuis-têtes, et c'était une question que j'avais, et donc là sur la Model 3 on ne peut pas régler les appuis-têtes. Alors ensuite nous voici dans le menu verrouillage, dans lequel on retrouve toutes les clés, donc on retrouve les deux logos clés, vous voyez en haut et en bas, donc ça c'est les petites cartes qu'on nous a données, et nos téléphones, et on a maintenant cette nouvelle icône, le petit bonhomme, sur lequel j'appuie là, où je peux donc associer un profil, donc le profil qui est actuel, par exemple c'est Nicolas qui est actuel. Si je clique sur le petit bonhomme à côté de la clé ou du téléphone dans la liste, ça va donc mettre le profil Nicolas. Je voulais vous montrer par exemple si je passe sur le profil Arnaud, donc bon alors, du coup tout se dérègle, je suis plus dans la position que moi je préfère pour conduire, mais voilà, si je clique sur le petit bonhomme là, hop, ça devient Arnaud. Et donc voilà, c'est le profil qui est associé à la clé maintenant. Donc je vais me remettre en profil Nicolas, et puis parce que pour vérifier un peu, mais donc nous on a deux téléphones, un chacun, et puis deux clés, une chacun, qui sont associées à nos différents profils. Voilà donc pour le réglage, c'est vraiment hyper simple, vraiment c'est bien, ils n'ont pas fait quelque chose de très compliqué. Là je vais faire exprès donc de mettre le profil Arnaud en place.
avant de quitter la voiture. Et puis je vais revenir dans la voiture et vérifier si effectivement tout s'est bien passé, si on a bien eu du coup mon téléphone qui a été reconnu et donc mon profil qui est mis en place sans que j'ai besoin de manipuler à nouveau. C'est pas quelque chose de vraiment énorme, mais vraiment voilà, au quotidien en fait, si vous partagez la voiture avec quelqu'un, bah c'est top. Donc là voilà, je rentre et tout de suite je suis en accès facile. Dès que je vais passer drive ou que je vais appuyer sur le frein, l'accès facile va se désactiver et vous voyez, on est bien sur mon profil Nicolas. Donc c'est juste parce que j'ai mon téléphone à moi, comme on dit bien en français, qui est présent et qui a été utilisé pour activer la voiture. Donc voilà. Donc c'était une petite présentation d'une petite amélioration, mais au quotidien en fait, ben, c'est pratique parce qu'on s'en sert tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, un nouveau tuto, et puis je continuerai à faire d'autres vidéos, hein, relayer des choses qui m'intéressent, ou parler des nouveautés de Tesla, ou même les astuces aussi, je vais revenir avec les astuces aussi. Et puis cette semaine, je fais encore un trajet sur Lyon, donc du coup, voilà, sûrement des vidéos à Lyon aussi. À bientôt, salut à tous.